Justement, envoie ta question. Qu'est-ce qu'il y a derrière ta question, du coup? Il y a une énergie de repli qui est qui est intense. Il y a réellement une énergie de repli qui est intense. Qui ne veut pas exprimer, tu veux pas exprimer quelque chose de toi qu'il est important que tu vois, qu'il est important que les autres voient, parce que c'est à travers le regard des autres que tu peux réellement savoir qui tu es. Alors, mais en fait, la réponse de ta structure, c'est non. Alors pourquoi tu me balances un non sur cette info? Pour être sûr de contrôler ton... D'accord, c'est ça. En fait, tu te places sur ça. Tu veux être sûr de contrôler ton monde. Tu veux être sûr que tout le monde t'attend le consensus, toi aussi. Tu veux être sûr que tout le monde accepte tes paroles et boive tes paroles pour te sentir OK avec toi-même. Donc, te sentir OK avec toi-même, ça veut dire te sentir OK même avec tes angoisses les plus profondes, issues de ton enfance, même avec tes absurdités personnelles. Donc, dit autrement, est-ce que tu as raison? J'en sais rien, c'est ton libre arbitre. Je te dis juste que poser l'attente concernant l'attente que le monde soit prêt pour pouvoir me comprendre, c'est la meilleure manière pour toi que personne ne te comprenne et que tu ne bouges jamais. C'est ta manière de stagner, c'est ta manière de ne pas créer quelque chose, c'est ta manière de rester en place et de rester dans tes certitudes qui te pourrissent la vie, en fait. Parce que oui, il y a la présence, il y a ta présence qui n'est pas la tienne, qui est là, mais et l'identité dans l'histoire. Et toi, tu te réfères toujours à une autorité supérieure que tu places en maître par rapport à qui tu es. Donc c'est ton paradoxe à toi. Non, pas forcément à toi, parce que tout le monde fait ça. Mais toi, tu le places sur le divin, tu le places sur le divin, sur l'unicité. Donc tu projettes quelque chose sur l'unicité. Tu dis l'unicité, c'est ça, alors que tu comprends rien. Et tu dis, bah moi, du coup, l'unicité s'en fout de toi, en fait. Tu peux disparaître comme tu peux être là. Le fait que tu acceptes pas de jouir pour toi et de jouir de ta liberté de choix et de faire n'importe quoi quand il le faut, ça ne concerne que toi. Donc que tu sois le bon élève de la classe ou que tu sois le mauvais élève de la classe, en gros, Dieu, il s'en fout. Donc, j'ai rien d'autre, je crois. Je vais voir. Tu préfères te cacher à l'autre, c'est ça. Et c'est ça qui est en rapport avec le groupe. Tu préfères te cacher à l'autre pour être sûr que ton précieux trésor, donc l'unicité, ne soit pas dévoilé de tous. Donc en fait, tu es un enfant qui s'agrippe à sa maman. Voilà, c'était ça l'information. Merci à toi, Jonathan, et belle soirée.